On est parti sur les Young Tower et directement les compositions vont se former. Pas d'hésitation pour une partie des joueurs. Hein. Drydro et Faye directement Instalock, Phara merci pour éviter de se les faire piquer. Peut-être, je ne sais pas trop. Peut-être des dissidences dans cette équipe. Quelqu'un qui voudrait jouer à la place de Faye, il voudrait peut-être lui voler sa Phara. Mais non, pas du tout. On a Surya qui va prendre un bastion. Est-ce que c'est un pic sérieux, ça dit donc. Peut-être, pourquoi pas, après tout, le Chief qui ferait plaisir. En attendant, c'est 0-0 sur cette map de Lijiang. Les compositions, par contre, du côté des Ice Blocks, semblent plus longues à se former. Ah, ça ferait plaisir à Sherda Fox de voir ce bastion sur Surya, mais bien évidemment, ça va être Switch. Toujours pas de Moira, toujours pas de Moira du côté des deux équipes qui préfèrent jouer dive. Donc on ne sort pas forcément la Moira dans la dive. Et du coup, Leaf qui repartirait sur son Soldier à première vue. Avec un duo d'Anna, on aurait Anna sur, enfin Boat sur Anna, du coup pas de Farmercy sur ce side du côté des Ice Block et Beau sur une Anna. Et d'ailleurs on aura un triple tank du côté des Ice Block, les Ice Block d'ailleurs qui vont se diriger directement sur la partie haute du point. On va essayer de contester directement ce point ici, Drydro qui va être tasé, il est low mais il va récupérer sa vie tranquillement, il n'est pas vraiment focus, il se cache plutôt bien sur les hauteurs de ce point ici. Et pour l'instant, eh bien du coup, les Ice Blocks sont un petit peu coincés dans un endroit assez refermé. De quoi peut-être charger la Zarya de Crew. C'est ça, on va voir comment ça va se passer. Cette Zarya de Crew du coup qui a été sortie dans cette triple tank. Attention, il est prêt à partir par Kevster là. Mais c'est bon, il va pouvoir survivre. Crew, il est bien maintenu. La première bombe déjà qui a été envoyée par Kevster qui ne trouvera pas de cible. Il est très chargé Crew. Là, il va pouvoir faire fondre le mecha de Getames. Tu vois, seulement Getames qui perd le mecha, il est dans l'équipe de Crew. Et là, le Sandwall qui peut-être va pouvoir débloquer la situation pour les Ice Block. Attention, il est très très low. La mecha de Surya, mais il est très bien. Il part Drydro. Drydro qui va avoir sa Valkyrie disponible. Peut-être, c'est bon, la Valkyrie qui est disponible. Qui est disponible à peut envoyer. Du coup, on va pouvoir res mono et FAE derrière avec son Sandwall, son barrage de roquette. Il va trouver un kill, malheureusement, qui va tomber. Beau qui était là avec sa Anna, ça s'est très bien vu. La Beau counter à la Phara, le bon Sandwall pour répondre à cette graviton. Et pour l'instant, on tient bien du côté des Oompa Loompa, c'est propre ce qu'il faut. On tient, on grappit des pourcents puisque le point avait été capturé. On est déjà à 30% ici et Crew qui va finir par tomber. Son graviton n'aura pas permis de faire la différence malgré tout. Il était full charge, nano boosté, mais les kills n'auront pas été faits. Pas assez de dégâts malgré tout. Et du coup, eh bien, on est en train de s'incliner pour l'instant du côté des S-Block. On n'a pas réussi à trouver la solution. 45% de sécurisé déjà pour cette équipe des Oompa Loompas qui ne laisse rien passer. Par contre, on n'a plus aucun ulti. Maintenant, on a dû tout utiliser pour maintenir ce point en sa possession. Et du coup, eh bien, les Ice Blocks se trouvent avec 3 ultis pour rien du tout pour leurs adversaires. Notre invité de Nano Boost qui a été complètement annulé par le Soundwall de Mono. Attention, on a Super Clou qui a été très agressif ici. Il a directement sauté dans la backlane, mais il a son ultimate, il le sait. Du coup, il va l'envoyer, il va zoner avec la bombe. Peut-être qu'il ne trouvera pas de dégâts ici. On a Leaf qui est prêt à envoyer sa visière tactique. À tout moment, il est d'infermé. On n'a pas beaucoup d'espace pour sa visière tactique. On n'en aura même pas besoin puisque le bon travail de Super Clou aura permis de récupérer ce point avec 75%. On a réinvesti 2 ultimates. C'est pas trop mal du côté de nos amis des S-Block. Ouais, seulement 2 ultis pour faire un reboot complet. On n'a pas laissé d'occasion à l'équipe adverse de contester beaucoup plus longtemps que ça. On n'a toujours pas d'ulti d'ailleurs pour cette équipe de Oompa Loompas. On essaie de les charger au maximum pour en avoir pour le prochain teamfight, mais ça risque d'être compliqué. On tient très très proche ici du côté de cette équipe des Ice Block. On empêche l'équipe adverse de sortir. Le self-destruct ici peut-être pour prendre un kill. Non, il a été bien géré ici. Et la seule barrière qui va permettre de sauver tout le monde du barrage de roquette de Faye ici qui avait failli prendre un kill. Cependant, on perd quand même Super Plouk malgré tout qui a été récupéré juste après. Oh, Getames qui a aspiré ce E ici, ça c'est bien joué. Attention, Beau qui est toujours dans la backline qui va essayer d'aller chercher FAE ici. FAE qui ne s'occupe pas de cette Anna, il faudrait peut-être, mais cette Anna elle est prise à partie par Kevster dans la backline qui n'arrive pas pour l'instant à trouver le meilleur sur Beau. Beau qui tient bien et qui va même slip Kevster. Beau qui va remporter son 1v1 sur Kevster, ça c'est bien joué. On va pouvoir la faire tomber. Oh, c'est magnifique, Beau qui a remporté son 1v1 face à Kevster. Quelle maîtrise du. On comprend pourquoi il a pick Anna parce qu'il est complètement en train de neutraliser la Phara de FAE et en plus il remporte son 1v1 face à Tracer de Kevster. Et pour l'instant, ça ne suffira pas à récupérer ce point. Puisque pour l'instant, c'est toujours tenu. C'est toujours hold. FAE qui est revenu là. Qui va mettre des roquettes. On met de la grosse pression. On est obligé. On force les S-Block à reculer. Attention, peut-être qu'on va récupérer le pic sur Beau là. Non, c'est Lilbo qui va tomber. Malheureusement, on va subir un pic. On va subir une perte. C'est dommage. Superflouk qui va sauter. On va quand même engage du côté de Superflouk. Mais on a le barrage de roquettes pour séparer Superflouk de son équipe. Il fallait pas y aller. Getames qui va quand même récupérer FAE. Mais il y avait Drydro pour S. Drydro qui s'est fait slip. Drydro qui s'est fait slip. C'est terrible pendant sa Valkyrie. Mais malheureusement, est-ce que ça va suffire peut-être pour l'S-Block, ça va être compliqué.
Hendrick Draw d'ailleurs qui au final aura été slip mais qui n'aura pas été tué. Du coup pour l'instant on a toujours cette Mercy sous Valkyrie qui va tenir son équipe en vive. FA qui est anti-heal ici et malgré tout il ne mourra pas à son tour. On a vraiment pas de solution pour l'instant du côté des Ice Block. Et du coup on est en train de s'incliner par un. L'overtime va toucher à sa fin. 1-0 pour cette équipe des Oompa Loompas qui est en train de s'imposer dans cette, deuxième partie de demi-finale. Ils ne sont plus qu'à un side de la grande finale, nos amis des Oompa Loompas. C'est l'Icebox malheureusement qui aura du mal à trouver la solution. Pourtant on a Bo qui fait un gros travail, qui a fait un gros travail sur sa Ana, qui a complètement justifié ce pic. Mais voilà, derrière on avait le gros heal de Dreadrow, sa Mercy qui ne tombait jamais de Dreadrow, qui a bien healé tout le monde, avec Shoops qui faisait un bon travail dans la backlane, Kevster qui était présent également, même s'il a perdu son AVA contre Bo, et il a fait un bon travail d'Arras. Et là, du coup, maintenant les Ice Block, dos au mur, il faut remporter ce side absolument pour rester en vie dans cette Go for EU numéro 78. En effet, ici, du coup, on va mettre Crew sur un McCree pour s'occuper de cette Pharah Mercy. Du côté de Leaf, on va partir sur Tracer. Il nous faut un flanqueur, hein, ça c'est important du côté des Ice Block. Et du coup, ici, on va directement se diriger sur le point pour les Oompa Loompas. Tandis que les Ice Block vont se retrouver un petit peu commencer sur la checkpoint ici avec la Pharah qui va spammer. Du coup, c'est Crew qui va tomber. En effet, c'était le primary focus à faire pour cette équipe des Oompa Loompas. Puisque là, maintenant, il n'y a plus aucun hit scan pour abattre cette Pharah Mercy. Bo qui tentera malgré tout de faire tomber Dreadrow, mais il est directement focus et donc il est zoné, il peut pas vraiment s'occuper de DPS et du coup eh bien on va s'incliner du côté des Ice Block GG. Le teamfight est perdu, le point est capturé. Et ouais, Elif, Crew, en tout cas c'est Faï qui s'est très vite approché de ce McCree en se cachant et du coup on a pu mettre les roquettes. Il a été suivi par Surya, le bon dive sur ce coup, on a réussi à prendre la primary target comme tu l'as dit mon cher Dams. Et derrière donc on perd le teamfight. Là on est dans un endroit assez close. On va voir si ce McCree pourra faire du travail. On a la Ana pour l'amener. C'est Mono qui va faire tomber ici. On va également faire tomber le mecha de Churia. Dreadrow qui envoie sa Valkyrie. Peut-être le double reste qui est parti. Mais non, il y a beaucoup de dégâts, il y a beaucoup de pics qui sont faits. Est-ce que Dreadrow peut maintenir tout le monde en vie ici? FAE avec la bombe, est-ce qu'il va réussir? Non, la bombe Dreadrow qui attache sur FAE, c'est ça, terrible. C'était l'une des plus belles bombes que j'ai vues de toute ma vie. Parce que là, Leaf qui colle la bombe sur Faé lorsqu'il était en ulti. Et directement Faé du coup il a essayé de voler pour éviter de tout simplement propager les dégâts au reste de sa team et du coup il fonce sur Dreadrow et ça permet de faire un double kill. Magnifique bombe de Leaf ici qui permet tout simplement de gagner ce teamfight haut la main pour les Ice Block. Voilà, toujours vivant, on a la supériorité d'ultimate qui est présente du côté de nos amis des Ice Block. Et du coup c'est parti, le nano qui est parti. On a Mono dans la backline qui est Arras par Super Plouk ici. Dreadrow qui est encore présent. Dreadrow qui va tomber. Malheureusement il y avait ce High Noon qui ne permettra pas de tenir ici. On a investi beaucoup l'ultimate pour tenir ce point du côté des Ice Block, mais forcément ça va tenir. On aura investi des ressources, on aura investi 3 ultimates ici pour tenir. Et du coup, Shoops qui va perdre sa rage primordiale. Mais on a maintenant du coup la supériorité d'ultimate pour les Oompa Loompas. Et directement on est en train de défendre devant le point. On ne défend pas sur le point mais devant. Et là on a un stock qui a été fait sur l'Ilbo. Et du coup eh bien on perd deux personnes immédiatement. Crew qui s'est fait très très bien dive ici. La bombe pour zoner un maximum de la part de Getamaze. Du coup on répond avec la bombe de Surya à son tour ici. Surya qui est pris à partie. Les deux divas qui sont en train de se 1v1 complètement hors du point. Tandis que sur le point eh ben Leaf va tomber. On va recaper le point, il faut contester au maximum. Et c'est ce que fait Getamaze ici, qui va finalement perdre son mecha et tomber sous les tirs de ses adversaires. Et du coup maintenant c'est Lilbo qui est revenu, qui était tombé en tout début de teamfight, qui tente de grappiller un maximum de pourcentage. On revient un par un pour gagner du temps et des points. Et ouais, on a presque gagné 10%. Là c'est plutôt une bonne opération ce qu'on fait les Ice Block là. Et du coup il faudrait qu'on recap encore au moins une fois ce point pour pouvoir être bien. Allez, FAE qui scoot là ici. On a vu, il y a Bo et Crew. Du coup c'est compliqué. FAE qui arrive quand même à exister malgré la présence du double hit scan que sont Ana et McCree. FAE qui se démarre bien. Mais là malheureusement Creepster un peu trop agressif dans le backline, qui s'est fait récupérer par Crew. Là du coup l'engage qui est fait, FAE peut-être le barrage de roquette qui a fait tomber Crew. Le slip qui est arrivé un peu tard. On n'arrivera pas à récupérer cette Pharah. Dreadrow qui est là pour raise en plus. Et du coup les Oompa Loompas qui sont pour l'instant très bien dans ce teamfight. Dreadrow qui est en train de maintenir tout le monde en vie. On va faire tomber Leaf et le point qui va être conservé par les Oompa Loompas. Mais pour l'instant on n'a pas réussi à trouver la solution malgré un très très bon entry kill sur Kevster. Et du coup maintenant on va se regrouper, on va repartir à l'assaut ici cette fois-ci pour cette équipe des
Ice Block qui se retrouve quand même avec pas mal de difficultés à passer. On a cependant quand même deux ultis, dont un Nano Boost qui pourrait faire très très mal ici. On va donner alors Nano Boost et Crew ici qui est près de son ulti. Il va peut-être l'utiliser. Voilà, maintenant quelque chose fait. On a perdu le mecha du côté de Surya. Du coup, c'est Dridro qui va mourir immédiatement. Il ne pouvait rien faire depuis les airs avec sa Mercy. Et du coup, pour l'instant, on enchaîne un petit peu les kills, mais on a perdu Crew. Ici, le hitscan qui a disparu. Fae qui est tout seul dans les airs. Ouais, on n'a plus de Dridro, on n'a plus de Dridro. Choups qui a réussi à tenir cependant. Allez, on va faire tomber Lilbo ici. Et Fae tout... Enfin, il est toujours sur le point, il va se faire tomber par Leaf ici, Leaf et Getames sur le point, on va pouvoir recaper, c'est fait, du coup on va pouvoir atteindre les 90%, Choups qui essaie quand même de revenir sur le point, ah c'est peut-être, est-ce qu'on aurait pas mieux fait de mourir du côté de Choups directement, et Surya également là qui va peut-être se faire récupérer, c'est dommage Surya qui tombe aller sur le point, on va provoquer la contest, il aura peut-être fallu back ici, on va même provoquer l'autodestruction, mais du coup voilà, ça permet à 99% d'être là, on n'a pas réussi à ramener le mecha malheureusement, il n'y a plus que Dridro qui est là, Dridro qui va essayer de ne pas tomber ici, il est accompagné par Fae, malheureusement bah, on n'est pas à 6, on n'est pas à 6 du côté de Oompa pour contester ce point, pourtant c'est le cas du côté des Ice Blocks. Sur ce point, malheureusement, c'est Choups, on y va un par un sur le point et on n'arrive pas à faire la différence forcément. Et ça va être la cape pour les Ice Blocks qui vont égaliser sur Lee Jung. Ouais, on a du mal à s'en regrouper en fait, tout simplement, du côté de cette équipe des Oompa Loompas. Et du coup, eh bien, on vient un par un. L'overtime touche à sa fin, égalisation pour les Ice Blocks. C'est vrai que dans une situation pareille, c'est très très compliqué de retourner le teamfight en sa faveur, puisqu'on est obligé de revenir à toute vitesse à cause de l'overtime, donc aucune possibilité de se regrouper. On est toujours en infériorité numérique, pas facile hein, ce genre de situation. Et du coup c'est une égalisation tout à fait logique, pas du tout surprenante ici sur ce dernier teamfight pour les Ice Blocks ici qui restent dans la course et qui ne veulent pas donner leur place en finale à cette équipe de Oompa Loompas. Pour l'instant du côté Ice Block, je ne vois toujours pas de Pharah, je vois la Mercy qui est présente du côté de Bo. Théoriquement si on a une Mercy qui est présente, on devrait avoir la Pharah. Voilà, c'est fait, Crew qui va la chercher, on va encore avoir un duel Crew Fae. La dernière fois c'était Crew qui avait pris l'ascendant sur Dorado sur Fae. Donc on va voir comment ça va se passer sur ce point. Mais en tout cas c'est vrai que bah, le vainqueur du duel de Pharah, eh bien, théoriquement il donne vraiment un vrai avantage à son équipe. Et d'ailleurs Crew ici qui va partir directement à l'assaut, il aura pris une roquette, il est un petit peu obligé de reculer, il est aidé par sa Mercy, mais du coup on a perdu Super Plouk directement dans, sur le sol et en même temps perd Lilbo, un très très bon blâme de la part de Fae ici sur depuis les hauteurs et du coup eh bien on a perdu, on est en 4v6, là ça reste d'être très compliqué de s'imposer et Kevster qui va même aller récupérer la Mercy de Baude ici sur ce point et du coup le point est capturé assez facilement au final par cette équipe de Oompa Loompas sur cette partie des jardins de Lijiang Tower. Oh, il est au milieu de la line-up, enfin au milieu des 6 joueurs à Icebox tout à l'heure, Kevster. Il a sa bombe qui est disponible d'ailleurs, est-ce qu'il va peut-être l'envoyer les lots, il va pouvoir revenir. Il n'y a plus de bulle de Winston, ce qu'on va envoyer cette bombe là, attention on est bien groupé, cette bombe qui va coller sur Getamez, on va pouvoir récupérer le mecha grâce à cette explosion, grâce à cette bombe. On va essayer de trouver Getamez, attention on a Lilbo qui est sur le point, la baby diva qui va tomber ici, on n'a plus que Superclo qui est babycité, Lilbo sur le point, qui est en train de build un peu tout le monde. Kevster fait toujours un très gros travail sur le point, et Crew qui va prendre l'intri-kill sur Choups. Et ici on va essayer de trouver la solution, mais Super Plouk qui tombe à son tour, il est obligé d'être ramené à la vie. Baude qui utilise sa Valkyrie pour tenir toutes ses alliés en vie, même faire des damage boosts. Et du coup là directement c'est Crew qui utilise son ulti, il a été protégé grâce à la sound barrière, mais ça ne suffira pas, il tombe juste après. Il est ramené à la vie ici, mais en contest malgré tout, on a l'avantage numérique du côté de cette défense des Oompa Loompas. On n'arrive pas à finir les kills, peut-être un manque de focus du côté des Ice Block, on ne trouve pas la solution. Même si on reste sur le point, Super Plouk qui continue de taser, il ne reste que deux petits squishies sur ce point, on va pouvoir peut-être capturer ici, quoique on perd Baude malgré tout, la Mercy qui tombe, ça reste très très compliqué pour cette équipe des Ice Blocks. Ouais, Kevster toujours sur le point pour contester, on a Super Plou qui est là, on a les deux rages primordiales, les deux Winston qui s'affrontent, c'est fini pour Super Plou, plus de rage primordial, il est face à Choups, on essaie de taser Kevster, là on essaie de prendre le point, mais il y a toujours un Oompa Loompas qui est là pour contester sur le point Getamez qui va pouvoir ramener son mecha. Il y a peut-être pour la bombe qui est collée. Et voilà, on a les deux tanks présents. On va être obligé de back du côté des Ice Blocks. Kevster qui va faire tomber ce mecha. Et pour l'instant, on s'approche du 100-0. Ça va être le dernier teamfight et c'est le dernier espoir de comeback ici des Ice Blocks.
Oui, il n'a plus le droit à l'erreur encore une fois. On est au dernier teamfight. Pas d'excuses possibles, pas d'erreur possible non plus ici. Il faut toucher le point C. Super Plou qui va y aller d'ailleurs. Il saute directement avec l'aide de sa diva sur le point ici. On est 3 ici pour essayer de faire un maximum de dégâts. La bombe, malheureusement, de Leaf qui ne collera sur personne. On n'arrivera pas à prendre de kill. La sonde barrière pour maintenir tout le monde en vie. Leaf qui est obligé de recall. Il essaye de prendre à partie la tresseur adverse. Mais non, on est sauvé par Drizzo d'ailleurs qui va être focus ici. Il est très très low. Est-ce qu'il va tomber? Oui, il finit par tomber, mais c'est peut-être un petit peu trop tard. Fire aura quand même fait énormément de dégâts. Est-ce que c'est la fin de ce teamfight ici? Pour l'instant, c'est encore très très serré. Est-ce que c'est la fin de ce match? Peut-être. Bo qui avait switché sur ça. Anna, on n'a pas de merci pour accompagner Crew. Elle a Crew Video sur le point là qui essaie de passer par la fenêtre, qui se fait heal par ça. Anna, au-delà de la fenêtre, ça permet de récupérer le kill sur la diva. Attention, Super Blue qui est revenu. Peut-être on va back du côté des Oompa Loompas. Drydro qui va revenir ici, qui se fait slip. On n'aura pas réussi à lancer le res sur cette diva, mais on va recaper du côté des ice blocks alors qu'on était dos au mur. Cette recap qui est passée. Et là, les ice blocks, maintenant, ils doivent faire le full hold. Il faut faire le 100-0. Il n'y a pas de choix pour rester en vie dans cette demi-finale. Ouais, et là, on prend le très très bon kill sur Faye ici. On n'a pas de reste du côté de Drydro. On l'a perdu là tout à l'heure en essayant de faire un reste sur le point pour continuer la contestation. Et donc, et bien maintenant, on est obligé d'attendre le retour de cette Pharah qui vient d'arriver d'ailleurs justement. On va du coup essayer de reprendre ce point assez rapidement. On veut en finir du côté des Oompa Loompas. Et d'ailleurs, on va engager très rapidement les deux tanks qui foncent dans le tas ici. On réagit avec une sorte de barrière pour maintenir tout le monde en vie. Pour l'instant, ça a l'air de plutôt bien marcher. C'est Kevster qui est tombé. On va le ramener à la vie. Mais on a nano boosté Leaf, la tresseur française ici qui va faire énormément de dégâts, mais on n'arrive pas à trouver les kills. Le seul destruct ici qui va prendre le mecha de Soria, mais on a perdu les deux supports du côté des Ice Block. Aïe aïe aïe, Ice Block en difficulté ici. C'est peut-être la fin de ce match, c'est peut-être cette demi-finale qui est en train de se jouer aujourd'hui. Leaf qui va se heal sur le Elspa qui va essayer de revenir. Il n'a plus que lui, il n'y a plus que lui pour contester. Gitanaz va perdre son mecha. Leaf qui va essayer de contester un maximum. Il va back, ça y est, il va bait un peu Kevster. Là, on va réussir à toucher le point, on va réussir à provoquer l'overtime. Leaf qui est tout seul, malheureusement, il n'y a plus que Lilbo qui va revenir sur ce point. Il va se faire taser, ça va être compliqué. Et j'ai bien peur que ce soit fini pour les Français d'Ice Block, les Oompa Loompas qui devraient obtenir leur ticket pour la finale de cette Go4EU ici. Ça y est, c'est terminé. Victoire 2-0 des Oompa Loompas dans cette demi-finale. 2-0 pour les Oompa Loompas. Ils sont inarrêtables aujourd'hui. Ils éliminent tous leurs adversaires. Ils n'ont pas perdu une seule map, si je ne m'abuse. Et c'est Leaf, malgré tout, qui aura le play of the game avec Tracer.